Bonjour à tous et à toutes, ici Samy. Aujourd'hui, on s'ouvre du pal d'air Evavet encore, bien sûr. Je joue aussi, c'est la ETB, une très belle ETB pour une fois qu'ils mettent 3 Pokémon sur la boîte. Mais c'est les starters, fait que c'est normal qu'ils en mettent 3. Je sais même pas si c'est. Je sais qu'ils sortent au Japon le set du 151e, là. Je sais pas s'ils vont le sortir en anglais, ça doit être un demi-set ou quelque chose de même. Je sais qu'il y a beaucoup de belles cartes qui vont arriver avec ce beau set-là. Puis, je sais pas si ça va être. J'ai déjà vu une autre TB sur Internet traîner, mais je pense que c'est un set qui n'est pas encore sorti. Mais bon, fait que. Faut être livré à la fin. Fait qu'on ouvre ça. Peut-être tombe. Fait que, ce qu'il y a dans la TB, il y a des boosters de Paldea Elvaved, VD. Je sais même pas s'ils ont mis un logo sur le D. Bon, tu vois. Puis, les tokens. Les sleeves, oh il y a la promo, on va la garder pour la fin. La promo, les sleeves, des énergies, les séparateurs. Puis, même si vous l'avez un peu vu, c'est la promo de Pikachu avec les trois starters dessus. J'étais sur le bord de l'acheter sur en japonais et tout, mais j'ai bien fait d'attendre. Fait qu'on peut passer à l'ouverture maintenant. Bon, on saute sur le premier booster. Avec le légendaire que je connais pas. Je vais juste le connaître quand je vais l'ouvrir en carte. On va marcher de même. Ou quand je vais finir par le capturer un jour sur le Pokémon. Fait qu'on va dire une énergie de type va pour les ténèbres. Ah, du métal. Fait que Sharkaday. Murkrow. Mizdravus. Sneasel. Luminous Energy. Bombider. Flamingo. Deidre. Pupitar Reverse. Puis on finit avec. Le retour de Wu Chen. J'ai l'impression que Wu Chen, ça va être le colleur de ce set-là. Comme les Blastoise et compagnie des autres sets. Fac. Le code. Une énergie de type va pour la plante. Puis là, il me sort les ténèbres. Maudit. Fac. Glimmett. Brandevine. Jinx. T'es encore dans le set. Hibble. Giacomo. Talonflame, Heracross, Voltorb Reverse, Primeape Reverse, pour finir avec, Weavile Holographic. Continue avec le je sais pas combien de tièmes booster. Fait avec Mouscarade, sans que c'est ça en anglais ou en français. Bref, le code. Une énergie de type feu. Ma valeur sûre? Non, beaucoup point d'en face. Fait Godstar, Naril. Weagle, Fineco, Paldea Tauros, Skibloom, Dendra, Pincurchin Reverse, Tarantula Reverse, puis Sirelge. Il est de retour. On continue avec notre chanteur préféré, Escroco. Le code. D'une énergie de type va pour l'eau. De sa plante. Fait que Mischief, Sakot, Paldea Wooper, Pikachu, Kilowattrel, Azumarill, Vespiquen, Fuecoco Reverse, Woo, Farigiraffe en Art 7, vraiment très belle carte. Pour finir avec, le retour de Pamotte. Ça serait cool d'avoir une autre Art 7. Bon, on en a déjà une, on va se calmer. Fait que, le code. Une énergie de type va pour coup point d'en face. Puis il sort la faiblesse maudite. Tickatink, Monkey, Delibird, la Super Road, Palossand, Raichu, Golithiel, un Magikarp Reverse, un Spydot Reverse, puis encore le gros Totsel. Il nous reste 4 boosters. On a encore la chance de le trouver. Ah, il a fait le trou pareil. J'ai une chance de l'ouvrir le booster. Si je suis capable de tout rien péter. Bon, fait que le code. On va leur montrer pour être mieux. Le code. Une énergie de type. Va pour l'électricité. Non, du métal. Koffent. Kragunk. Rookidee. Manimite. Ice-Q. Iono. Qu'on a eu la meilleure art après. Nascla. En tout cas. La Kalimatu Snowy Mountain.
Nacelle de champignon de Mario. Puis, ouh! C'est Chiyu! C'est le poisson que je parlais dans la dernière vidéo. En full art en plus. Très beau. Je trouve qu'il ressort tellement bien. D'habitude, ils le font en 3D, il me semble, Pokémon. Puis là, on dirait qu'ils l'ont dessiné. Il est vraiment très belle. Là, je trouve que ça va vraiment bien. On a une full art. Vraiment cool en plus. Je l'aime vraiment, Chiyu. Fac! C'est un poisson qui n'est même pas de type eau. Fac, le code. Une énergie de type va pour le feu de l'eau. Fait que Love Disc, Snover, Fletchling, Voltorb, Artimax, Giacomo, Talonflame, Wingull, Relor Reverse pour finir avec la Sauterelle Ninja. Avant-dernier booster. On va-tu finir sur des belles notes? On va le savoir bientôt. Découverte, découverte. Le code. On dit une énergie de type. Moi, j'y crois au feu, là. Feu! Non. Électrique. Phalanx. Pincushion. Makuhita. Rockruff. Kovishkyr. Jet Energy. Fighting Roulette. Hein? Il est marqué en français. Choice Belt. En reverse. Abomasnow reverse. Puis. Oricoro. Curio. Dernier booster en plus avec notre chanteur préféré. Avec Escroco. Fac. Dernière chance de faire une belle, dernière belle impression. Fait qu'on va dire une énergie de type feu. Là, c'est le feu. Eh ben non. Fac. Clavel. Tropius. Dunspears. Hoppipe. Heracross. Kilowattrel. Azumarill. Pelipper Reverse. Ice Cube Reverse pour faire avec. Hein, le boss order avec Getis. Il y a ben un boss que je m'attendais pas à voir, puis c'est bien lui. On est rendu au moment saillant. Fait qu'on va commencer par la mention spéciale avec le Pikachu avec les trois starters dans le fond. C'est une très belle carte. Je m'attendais pas qu'il la sorte en promo, mais je suis vraiment content. C'est un très beau carton, je l'aime vraiment beaucoup de même. Puis, et trois hits du jour. Fait qu'il y a le Wuchen, que je pense qu'il va être notre color de ce set-là. Je pense qu'il va nous aimer beaucoup. Puis nous, on va commencer à le détester après. Mais bon. Fairy Girafe. Très belle art. C'est un Pokémon que j'étais surpris de voir dans l'annonce. Pour vrai, voir un Pokémon comme ça évoluer, c'est quand même, l'évolution est assez étrange. Pour finir avec, le Chinyu. Ça, c'est un des plus hauts bits, le plus beau hit que j'ai vu pour aujourd'hui. Qui donne vraiment une belle impression. Je trouve que le fond est vraiment beau. Puis, à place d'être haut comme tous les poissons, il est de type feu. Il est de type feu. Mais bon, c'est ce qui conclut la vidéo. Lâchez un pouce bleu, vous abonner, laissez un commentaire. Puis faire un petit tour sur mon Instagram si vous êtes intéressé. Puis on se voit la semaine prochaine.